Yop tout le monde, c'est Gotaï, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On a des macs. Yo la team. Yo la team. J'avais profité clairement pour faire des images à 5h. Pour une fois que je me suis levé tôt, j'ai filmé chez WAM, je te le dis. 5h10 du matin, vous vous dites, mais Stéphane, il a avancé sa montre. Et non, pour une fois, c'est pas une blague, il est super tôt. Vous dites, pourquoi il filme comme en 2008 et pourquoi il est réveillé à cette heure-là? Parce qu'on va amener Coco au Mans pour son training pour le Grand Prix Explorer. C'est parti. On est au Mans pour 2 jours. Coco, il a une petite session de rattrapage parce que la première, il a pas pu la faire. Zilan. À cause de la Zilan. Il y a les priorités dans la vie. Ce matin, test d'effort, tout ça, pour voir s'il y a pas de blème pros chez Coco, si tout est ok et tout. Petit planning de sport sur mesure pour lui pour préparer. Comment ça un peu devenir youtubeur? Ah ouais, bah, franchement pour moi c'est un effort, c'est très compliqué. Ouais, par contre faut faire plus dynamique. Frérot, je fais trop de détails. Yop tout le monde, c'est Elise, on se retrouve aujourd'hui c'est juste les tests, demain on conduit. On vient d'arriver, ça va être trop bien. Bah du coup on voilà. Coupe ce que j'ai fait. Exactement, et on laisse voilà, exactement. En fait c'est un peu sa chaîne, donc oui. Du coup c'est ok quoi. Attends mais Andreas il va mettre un truc, Elise nous saoule avec ses explications. Les gars ils vont le voir arriver comme ça, ils vont dire recaler. En plus j'ai pas trouvé de chaussettes, j'ai bite. Ah ouais j'ai pas trouvé de chaussettes, j'ai rien. Bah pour les tests physiques peut-être qu'il faut des baskets, tu vois. Moi j'en ai prises. Donc voilà le garage. Ok, ah ouais. Ça c'est du coup toutes les F4 qui vont rouler au Grand Prix Explorer. Comme toi, tu étais pas là la dernière fois, tu as pas fait le physique. Là ce matin, on t'a fait venir plutôt pour faire le physique. Il peut faire pied nu, ça veut. Ça peut être des chaussures. Non. Bah, c'est pas des chaussures adaptées à la course. Non, en fait, je me suis adapté au truc qu'on avait fait avec Red Bull. En gros, il y avait des chaussures spéciales et j'étais en mode, bon, bah, c'est pas grave. T'as pas pris de basket. Bah, clairement, faut que je demande des baskets. Si tu voulais des combien. Oui, tu vas courir en fait, t'as un test de. Des EMA, tu sais, je peux marcher pied nu, mais c'est pas grave. Ah, mais sur le bitume là, tu vas. Une galère, quoi. Je vais faire en claquette sinon. Il est vraiment en train de négocier avec la FFSA pour faire son test en claquette là. Ah ouais, t'es fatigué votre pote hein. Qu'importe les chaussures, hein, qui dira ça hein. Voleur alerte, il va faire son contrôle. Ça, il va faire ok, vous m'avez amené le pire du groupe quoi. On va acheter des baskets avec Stéphane, on revient. Ouais, il y a un des 400 qui est juste à côté. Bah voilà. Bah let's go. Tant pis, on dodge. Le staff de la FFSA. Je suis Denis, moi je suis l'instructeur. Jean-Baptiste, apprenti instructeur. Sébastien Ménard, moi je m'occupe ici habituellement de la formation moniteur. Et vous me retrouverez en salle de sport tout à l'heure, quelques tests. Il faut des baskets bien évidemment. Idéalement ouais. Mais si je maîtrise à 100% mes claquettes. Ouais. Pieds nus c'est pas possible. Alors pieds nus c'est possible, mais c'est l'asphalte, c'est un peu mieux. On va aller acheter des baskets. C'est comme, tu vois, passer le bac en début d'année. C'est ça, longtemps que t'as pas fait ton année. Là, vous me demandez de passer le bac, je sais que ça va servir à rien. Ouais, ça va être copie blanche. Passer en terminale. Mais par contre, on est au mois de septembre, il y a toute l'année à faire. On fait des tests maintenant. Même pour la FFSA et tout, c'est mieux, ça fera plus sérieux avec des baskets. Côté sérieux. Ils ont fait la dégaine, c'est mort. Allez, c'est parti. Y'a qui fait les trucs tests? Vous êtes 3? Ok. Il avait raison sur un point. Vu que j'en ai déjà fait, est-ce que je peux pas dodge le cours théorique? Non, parce que c'est pas le même circuit, c'est pas les mêmes bécanes. Il veut déjà dodge. Ça sert à tester le champ visuel, ce qu'on perçoit dans le champ périphérique et la réactivité. L'idée, c'est d'aller très vite. Réfléchir les genoux. Et aller chercher comme ça les différents boutons. Donc là on fait 30 secondes d'entraînement. Essaye plutôt de plier les genoux que de. Ouais, c'est la position qui est pas bonne. C'est fini. Waouh, j'étais en gros de goût. Ça va les chaussures Coco? Ouais, nickel, parfait. Je vais vraiment faire un aller-retour, je pense. C'est parti. Début du test. On attend bien derrière la ligne. Parfait. 45 secondes. Ouais, il est en forme. Hein. Ah, ça y est, quand t'as plus personne sur le rinté, c'est dur la moitié. Ouais, ouais. Super mal au mollet, 70 kg, quoi, tu l'as dit. Hein. Il a collé quoi? Il a dit le 8 octobre, 70 kg. Il fait. J'ai même objectif, faire 1 kg. 2. Essaye de descendre un peu plus bas. Non. Pour les pompes, ça ressemble un peu à des pompes quand même. Ça ressemble plein. Par 4. C'est bien, Coco. J'aurais pas dû faire des vraies pompes au début. Ça t'a tué. C'est bien, au moins t'as fait une belle série quand même. Ça m'a fumé. Ça va plus en mode. Si je la vois nulle part, c'est que c'est là et il faut que j'y aille. Tu vois. Tu réfléchis pas parce que dès que tu la défocus, en mode oh fils de pute, je perds du temps. Et dès que tu réfléchis, tu perds du temps en fait. Tu perds de la réactivité. En fait, ça se trouve un mec con, il arrive mille fois. Mais en vrai, c'est. Bah essaye du coup. Hey, on se passe. Ah, la colonie de vacances quoi. La strat casquette. Dodo. Bienvenue et merci d'avoir choisi le Mans pour faire cette course assez unique. Ce que l'on cherche vraiment avant toute chose, c'est que vous puissiez progresser, apprendre, d'avoir vraiment conscience que à 200 km/h, vous pouvez vraiment vous faire mal. Bon courage. Merci. Merci.
Ah non, mais j'ai même le transpirer là, ça va être. Pourquoi tu lui as pas pété la gueule, frère, il t'a poussé quoi? Parce que c'est Maxence, tu es gentil quand même. On va le défoncer, on va le mériter. Ouais. Mais je sais pas c'est qui en plus. Incroyable. Regarde Xav comment il est heureux. Bah là, je suis vite fait heureux parce qu'on va. Tu vas gagner combien de temps d'avance, tu crois? T'as pas idée de mon niveau dramatique. En desserrant les lacets, tu vas moins galérer. T'as compris direct que j'étais un feignant, quoi. Premier regard, quoi. Non. Ouais, il est dans ma voiture. Mais tu mens, t'as pas ton permis? Pourquoi tu mens? Jaka, tu m'as encore regardé, j'ai pas très bien. Non, mais je suis. En fait, je pense que toi, t'as un permis récent. Bah, 5 ans, quand même. Ouais, non, ça va, c'est bien, c'est pas. C'est absolument faux. 2021, gros. On rentre par de l'autre côté, puisque là, ouais. ça sent le danger de fou, là. Tu peux mettre ton pied ici si tu veux. Par contre, j'ai vu Pierre, lui, il fait ça comme ça avant de rentrer. J'ai regardé le GP l'autre jour. Voilà, il remonte tout. Je sens que ça va être la galère pour sortir. Là, je glisse. Voilà, c'est ça. Dans ta baignoire. La souplesse est légendaire ou c'est comment? Là, je suis mieux. Là, t'es bien, là? Tu vois, ça, ta tête, elle est comment? La concouille est comment? Allez, maintenant, c'est la partie que tu adores. Je te dis, j'ai mon permis déjà. Déjà, t'as menti sur un truc, c'est que tu l'as pas eu il y a 5 ans. Tu l'as eu là récemment. Désolé, je dois y aller, les choses sérieuses m'attendent. Fais le mec. Tu l'as falsifié où ton permis? Je suis pas serein, mec. Tu t'en comment là? Ça va. Non, ça c'est l'embrayage. Ça continue automatique, hein. Oh, le jugement. T'appuies sur 1 si elles sont fines, 2 si elles sont épaisses. Là, c'est fin. Là, c'est épais. On peut refaire un training? Le temps que tu. Ouais, c'est dur, hein. En fait, après, tu fais une erreur et ça te perd. Ça te fuck top, ouais. C'est le truc du vénère, hein. Franchement, c'est dur, hein. Amine, regarde, il a une autre strat. Attends, mais là, c'est les premiers de la classe. Enfin, nous, on a 18 de moyenne avec ça. Non, moi, je suis les FR7. Je vous rappelle que ces voitures n'ont pas d'ABS. Auquel cas, ça limite le recul de la voiture et ça va sûrement vous permettre de pouvoir remettre la première et de repartir. Il est fort probable que demain, il n'y ait pas les cônes et que vous preniez la piste directement. Et ben alors, les trucs de sécurité, là? Bah non, puisque une klaxonne. Et là, à contresens, le gainage de Max, moi. C'est trop lourd. La pratique, on est rentré dans le van. J'ai jamais eu une expérience aussi cool en minibus, voilà. C'est le meilleur moment de la journée. Bye. Ça, oui. Hey, c'était comment? J'ai adoré, c'est très très sérieux. Tu sais pourquoi JB il roule vite? Parce que je l'ai formé. Ce qu'on attend de vous dans cette première série, vous allez découvrir la voiture, le circuit, c'est de faire les choses de la façon la plus méthodique possible. Je vous présente Sébastien et Emilien. Ce sont deux ingénieurs qui ont beaucoup d'expérience dans les data. Ça vous donnera une petite idée de comment faire ce qu'il faut, quoi. Les data, généralement, vous aurez toujours une page un peu driving comme ça. C'est évidemment ce qu'on regarde en priorité, pas mal les formes de frein. Être capable d'être super efficace au début et ensuite aller chercher la dégressivité au fur et à mesure. C'est stressant quand même, hein. T'es prêt? En fait, ça me ferait chier en fait qu'il me rentre dedans parce qu'il est trop débutant et j'ai quand même 3 tours d'avance sur lui, quoi. C'est simple, tu passes le truc dans les deux. C'est Elise qui lui explique, il a 150 de QI, mais bon. Non, mais c'est pas un QI. Je sais, pas d'excuse, trop pas rien, ouais. Pas très agréable, hein. C'est pas très agréable, hein. Ça se voit, Coco, il a une moto avant. Ouais, une 50. Il y a un petit flow quand même, hein. Ça, c'est le moment où il y a moins de flow. T'es bien installé? Alors, t'es mieux? Du coup, j'ai fait très poussi, je voulais pas sortir. Tu vois un peu de diff avec ce que t'as déjà connu? C'est un peu différent parce que c'est pas le même circuit. L'autre, en fait, en soi, je le connaissais. Et puis, il vaut mieux y aller tranquille, hein. Et je sais pas comment prendre des rétro avec toi. Les niveaux sont assez disparates. On voit parmi vous, il y en a qui ont de l'expérience, qui roulent déjà à un niveau, on va dire, assez bon. D'autres qui découvrent complètement, donc qui roulent au ralenti. Et c'est tout à fait normal. J'aimerais que ceux qui roulent plus vite respectent ceux qui roulent moins vite. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Si t'as gagné un petit peu plus de vitesse aussi, ça t'aidera aussi à découvrir un peu le potentiel. De la voiture. Ouais, doucement avec la voiture du patron là, jeune homme. Hein. C'était pas lui. C'était toujours pas lui. Là c'est lui. Drapeau jaune. T'as eu drapeau jaune. Et Coco venait de passer juste avant, donc c'est pas Coco. Oh, j'ai trop chaud. Oh, tu dois te sentir libéré là, non? Un peu. Mais tiens, tu as arrêté de dépasser tout le monde. Hein. Là, j'ai vraiment avoiné là. C'est incroyable. C'est pas facile de changer des automatismes. Je dis vas-y, tu veux jusqu'au bout. Ça s'appelle des automatismes. Et t'as fait quoi? J'ai fait que les automatismes. Ah, t'inquiète, pareil. Ah ouais? J'en ai fait deux au même endroit. Quand je vais un peu plus lentement, je sens que je peux freiner plus tard, mais quand je freine plus tard, je t'attaque. C'est pas facile de trouver cette espèce de limite de je veux que ça tourne, mais en même temps, ça tourne pas. Un litre de TDI. Hein. Ah, TDI et Renault. Je pense qu'il y a erreur. Bon, il a cramé que j'étais nul en mécanique. C'est chier, j'ai voulu faire l'américain devant tout le monde là. Je vous laisse comme tout à l'heure, vous répartir autour des ingés. C'est parti pour la leçon.
Tu peux me résumer en deux mots ce qui s'est dit avec l'ingénieur ? Ma pédale, je pense, elle est mal réglée. J'ai l'impression d'appuyer à fond. Et en fait, quand tu regardes sur les. Tu fais toujours le même truc où ça va à la moitié du truc. Et du coup, ils vont essayer de régler la pédale, jeter un œil ? Je pense, ouais, je vais demander et on va faire ça. Oh la galère. Je suis pas sûr de faire la dernière session. Ah ouais ? J'ai mal au cou de ouf. Là, moi, je sais que j'ai mis beaucoup plus de patates. Là, ça m'a même fait peur. Là. Celui devant moi, il a avancé archi pas. Du coup, moi, je suis pas passé. Il a réaccéléré. Bon, je l'ai dépassé plus tard. Mais du coup, j'allais à la même vitesse que celui qui nous a dépassé tous les deux, quoi. Vous avez un ingénieur pour 2-3 personnes, c'est ça ? Non, pour tout le monde, c'est pour ça que je me mets là. Lui, il a nos voitures à nous. Ah, Emilien, c'est mon SRAM. Et je sais pas pourquoi, mais lui, c'est un crack en plus. C'est notre crack. Tout le monde vante tes qualités. Visuellement, vous arrivez à directement tout voir. Quand tu vois que t'as l'habitude de voir les gens passer, nous, quand on est dans la voiture, c'est pareil, on sent aussi. En fait, tout ça, l'expérience, en fait, ça aide beaucoup. Quel âge ? Toi, 24 cette année. Il est jeune, hein, pour. Et c'est un crack. Un gros crack. Je pense que tu vois dans les jeux, oui, je reconnais facilement. Moi, j'aime bien jouer Warzone. Tout ça, mais... Lundi, t'es dispo pour un master? Je suis pas sur ta POV, je te dis. Vas-y, j'ai donné mon PSN, tu vois, je suis un peu déjà PSN. Commence très mal. En termes d'accès, c'est un peu compliqué du coup. J'ai fait vraiment un très beau run à la fin. Dans un de mes meilleurs virages, j'ai fait une tête à queue, mais vraiment, ça m'a plus vénère. J'ai cru que j'allais jusqu'au mur. Attention à garder une distance de sécurité avec la voiture qui précède. C'est un peu chaud quoi. Donc du coup, t'es obligé de rajouter du frein. Oh, j'ai eu peur de. Je freine tôt d'habitude, genre un peu peureux. Et j'ai remarqué que toi, je crois que tu freinais encore plus tôt. Et à un moment, j'ai failli te rentrer dedans. Bah, effectivement, tu peux essayer de reculer ton freinage. Garde bien une distance de sécurité. Bon, monsieur. Ah, tu t'en vas ? Ciao. À la prochaine. Ah, salut. À la prochaine. Dans un mois, je crois, à peu près. Dans un mois, ouais. Yo la team. Bon, là, il y a Steph et Elise qui sont rentrés du Mans. Et je crois qu'il y a un sentiment de frustration de la part de certains, sûrement Steph. Oh, pas du tout. Qui, du coup, là, les gars, il a besoin d'installer setup F1. Non, j'ai pas besoin, c'est Corentin qui m'a dit ouais, faut installer Assetto Corsa pour que je m'entraîne sur le circuit et tout. Du coup voilà, je pense que là je vais jouer jusqu'à très tard, jusqu'à que je parte. Juste pour t'assurer que tout va bien quoi. Ah mais complètement frérot, tu me connais, je suis pas là pour m'amuser moi. Ah mais frérot, vraiment... je viens de voir là et ça s'affiche plus le truc The French Monster qu'il y avait là. Non mais parce que ça a été retiré. Tu sais, il y avait une vitre là. C'était un écran. Ça de vouloir faire bien les choses. On mettait The French Monster et on l'a retiré parce que c'est plus dans la DA. Tu peux remettre du coup pour moi ? Bah je peux mais il faut le brancher etc. Donc là c'est pas prévu. On va le brancher. Bah vas-y branche-le. Je vais prendre la caméra dans 10 minutes, tu vas remettre le truc French Monster. 12 seconds later. Tu tombes bien, j'ai réparé l'écran. Je t'avais dit on pouvait faire réapparaître The French Monster et tout sans problème. Ça rend bien non ? Mais mon ref, commentaire, ça rend bien ou pas ? Oh le culot du boug. Bon allez let's go, on installe tout ça, c'est parti. Faut quoi pour pouvoir jouer ? Le logiciel, le jeu. Avant tout ça. Internet. Okay. On n'a pas internet gros. On n'a pas internet. Gros, je vais péter mon crâne, il n'y a pas de port wifi dans le PC. Il n'y a pas d'antenne. Il n'y a pas de câble Ethernet là dans la pièce ? Non. Gros, je vais péter mon crâne, on a fait tout ça pour rien. Du coup, qu'est-ce que c'est ça ? Nouveau casque C-Series. En vrai, ils ont fait ça quand même. On peut la garder la caisse ? Oui, Corentin peut la garder. Dans le sens pour Corentin, pour mettre des câbles dedans. Vous voyez pas sa tête là, mais il veut absolument la confisquer. Je la ramener chez moi. Il est BG, hein. Il est beau. Ah, il est vraiment stylé. Ouais, donc ça, en fait, c'est le module sans fil pour régler le son. T'as la petite bonnette. Ça s'appelle une bonnette. Ouais, c'est une bonnette. Ah, je savais pas. J'enlève la bonnette. Je remets la bonnette. Freestyle. Merci, Steve Cerise. C'est quoi le code ? Gotaga 12. Et on a quoi avec Gotaga 12 ? 12%. L'avantage dans l'histoire, c'est que on cherchait justement à mettre du son pour Corentin pour le setup F1. Et ben du coup. Alors elle m'a dit que c'était giga simple d'installer. Ah mais c'est trop facile. Je branche ça direct ici en USB 1. Voilà, d'ailleurs t'allumes le casque. C'est tout ? Ok, you are all set up. Wesh. Voilà. Là tu prends, il y a un petit bouton pour allumer derrière. Là reste appuyé sur le petit bouton pour l'allumer. Ah ok, ça va bien. Et là c'est bon, maintenant on met une vidéo. Ça m'impressionne, hein, parce que ça va trop vite. Là on peut faire un F1 là. Là tu pars sur F1 et là. Il est beau gosse, il est moins gros que l'ancien, c'est bien. Steph va lancer sa première partie. Paramètres de jeu. Je vais faire un plantard et fou là. Assistance au sound, ok. En fait c'est exactement mais les trucs habituels. Malade mental, les viewers là ils ont la tête comme ça pendant. C'est parti comme en 48. Ça c'est mon virage préféré. Wouah, ça se voit. Ouais, enfin c'est. Ouais. Ok. Oh, j'aime trop, putain, le volant c'est du sexe vraiment. Let's fucking go! Let's fucking go! Attention! Let's go! Allez, je vous laisse toute l'après-midi. Dans deux tours, je l'ai battu. Oh bordel, écoute-moi bien. Si dans deux tours tu m'as battu, je te paye un pedralta. Rien en échange, même si tu me bats pas, tu as rien à me payer. Je te laisse 5 tours, je te paye un pedralta. Un pedralta, c'est genre 50 balles par personne. 5 tours. Je me mets le casque, je suis con. Merci. Ça, le son un peu. C'est pas mal, c'est pas mal, on y est.
Dommage. Premier tour. Alors ? Oh là là, si t'es encore là, c'est pas bon signe. Let's go ! Dis-moi que ça s'est affiché. T'as fait une 23. Oh le crack. Combien d'essais ? J'ai mis 5 essais pile poil. Oh putain ! Putain, vas-y, je dois en pédralta à Camille, je dois en pédralta à toi. Vas-y, tout mon salaire, il va partir là. Let's go ! Putain, mais je suis trop nul en fait. Attends, mais t'as même pas reculé le siège ? Si. Si, si. Camille, elle vient me voir et elle me dit quoi ? Alex, t'es un beau mannequin. Alors moi, fier comme un gardon, je bombe le torse, j'arrive, et qu'est-ce que je vois ? Eh oui, photos. On est sur les photos des produits, je suis en train de faire les pages. Oh, le menu, ah. Il fait des zooms sur le visage, lui, c'est hallucinant. Non, mais là, on voit que ton nez, gros. Je disais. Vas-y, dis-moi. J'étais en train de faire les pages produits. J'arrive sur les photos et je dis waouh, mais quand même. Les gars, c'est moi, c'est mon jean. Hey, regardez, je suis habillé pareil tout le temps, j'ai toujours le même jean. C'est mon zizi là. Ça va, je me sens bien. Hein. En vrai, tu poses très bien. Je te jure que la photo elle est très bien. Moi, je l'aime beaucoup. C'est quoi ton petit programme là, today ? Bah là, je suis Zepo. Je regarde un peu notre contenu. J'essaye aussi de. En fait, le truc, c'est que tu vois, par exemple, nos commentaires, ils sont en just chatting comme ça et qu'après, on les poste. C'est super intéressant de regarder, je trouve, pour donner des idées. Parfois, ils glissent des idées en live. Et ouais, ils divisent aussi des problématiques. Des fois voilà. Ou des et trucs. En fait le truc c'est que nous bah on n'est pas tout le temps non plus sur son live, on n'a pas le temps de ou il nous le dit pas directement dit pas, en fait. Ouais. Et du coup bah on doit piocher un peu les infos, suivre et travailler à partir de ça. Là par exemple tu vois moi il y a un sujet c'est que moi après bon moi j'adore Valorant et là dans la vidéo il parle de Valorant, il parle du fait que il aimerait bien jouer au jeu mais que pour lui c'est pas streamable et en fait t'aimerais faire en sorte que ça devienne streamable pour lui du coup. Ouais mais en fait je le comprends, genre je sais que c'est galère parce que si tu stream tu dois mettre du délai etc j'aimerais là, toute la G-Corp commence à jouer à Valo. Ça peut être le mood, imagine une soirée G-Corp Valo. Ah ouais, ça peut être rigolo. Hein. Un 5 stack. Celui qui carry, il a une prime. Ouh. Moi, je vais m'entraîner. Mais il faut faire ça, non ? Ah, mais le but, c'est que c'est Corentin qui doit. Ouais, mais faut lui présenter le projet. Du coup, là, ça veut dire qu'il faut écrire le projet, etc. Ouais, mais non, mais en vrai. Vas-y, dans les commentaires, je suis sûr, ils vont être trop chauds. Non, mais on le fera pas, Alex. Ça sera dans le vlog. Regarde la transition. Elle a never. Tuki, c'est quoi tout ça ? Tuki, assis. Elle t'a répondu. Qu'est-ce qu'il y a ? T'es énervé ? Ah ouais ? En fait, elle parle beaucoup avec toi. Ah ouais, elle aime bien parler. Oui, quand tu fais la grosse voix. Elle aime bien parler à des gros chiens. Quand tu fais la grosse voix, elle te répond. Je pense qu'elle aime pas que tu lui parles avec la grosse voix. Alors, Tuki, c'est quoi tout ça là ? Là, t'as dit arrête de me parler mal. Ah ouais, j'arrête de te parler mal moi ? Je dirais un campagnard. On est à J-5 de la finale de la Ligue des Champions parce que vous êtes pas au courant, mais Corentin a fait son choix. Il amène Élise voir la finale de la Ligue des Champions. Elle m'a envoyé un message ce matin, elle a dit quoi ? Steph, ce week-end j'ai lavé tous mes maillots du Real, comme ça j'ai le choix pour samedi. Vous avez dû voir quand Corentin il lui a dit qu'il l'a choisi elle pour y aller, elle était toute contente. Elle arrivait même plus à respirer presque. Je sais pas, j'ai du mal à réaliser, ouais, à me rendre compte. Je pense que je réaliserai le jour J, je pense. Hein. Tu pronostiques, tiens, maintenant que j'y pense. C'est dur parce que moi je suis pour le Real, ouais. C'est mon club de cœur. Je pense qu'on gagne 1-0 ou 2-1, tu vois. J'ai réussi à réparer le sniper. Ok, il doit y avoir une sécurité d'enclencher. C'est bon ? Non mais attends, mais qu'est-ce que t'as fait ? Voilà. Il est cassé ? Bien malheureusement, joué. On va devoir arrêter sur ce jeu parce que la réplique s'est enrayée. Je bricolais un peu, c'était moins grave que prévu. En fait, c'était la sécurité qui s'était pétée, qui avait bloqué le système. Donc voilà, patron, tu pourras montrer à tout le monde tes talents de sniper à une prochaine émission parce que le sniper est réparé. J'étais tranquillement en train de bosser quand soudain un doux bruit berce mes oreilles, le bruit d'une imprimante qui imprime sans cesse. Là, elle est pas prête de s'arrêter, je te le dis. Ah ouais. Voilà. Et pourquoi ça imprime comme ça là ? C'est les accessoires hein, qui sont sortis. Ça y est. Écoute, ça plaît aux gens apparemment. Ça marche très bien. Ça continue de commander. Je reçois des mails là toutes les deux minutes pour les commandes. Il va falloir faire les envois maintenant. Bon, s'il vous plaît, dans les commentaires, faites-nous un son avec cette imprimante. Il y a quand même un mec qui a regardé tous les vlogs pour mentionner à chaque minute quand je parlais de vacances. Oui, c'est un énorme crack, vraiment. C'est un vlog sur deux. Hein. Bah ouais. Alors, mon petit Yann, c'est l'heure de ta minute. Ta minute, Yann. Ta. Bon, ce lundi, qu'est-ce que tu fais ? Une nouvelle version de l'intro. Pourquoi ? En réalité, l'intro dure 4 minutes 50, ça se ressent pas trop. Et du coup, on doit faire une version courte. Faut faire une version plus courte parce que l'intro, bon, elle est un peu longue et du coup, on prépare une version courte si jamais. Pour que vous ne skippiez pas dans la vidéo, quoi. La version de base, elle durait combien de temps ? C'est à peu près 45 secondes. 45 secondes, donc c'est quand même un beau bébé. Et là, l'objectif, du coup, c'est de faire quoi ? Entre 10 et 15 secondes. Donc à peu près 12,5 d'après les mathématiques. Ouais, pas mal. T'as fait S, toi. Je vais faire deux versions. Une version avec les moments qui étaient présents à la fin où oui, on voit tout le monde qui joue ensemble. Et une version avec chaque prénom qui s'affiche pour voir ce qui rend le mieux et ce que les gens préfèrent. C'est parti, préparation de timelapse, commande. On a
On a fait un petit crash test parce que les mugs c'est fragile, ils sont en porcelaine, ok. Donc pour le transport c'est compliqué. Les mugs c'est fragile. À la base ils sont dans du papier bulle, ok. Bah ils sont quand même bien conditionnés, etc. Mais le problème c'est que la poste ils sont pas très soigneux avec nos colis. A compris quoi, la poste. Moi j'ai dit à Elise c'est chaud, ça va péter. Elle m'a dit t'es quoi, viens on fait un test. Je l'ai jeté par terre, bah il a pété en mille morceaux quoi. L'a bien jeté. Je l'ai bien jeté, mais je sais comment ils font à la poste. J'ai fait en situation réelle. Ça tire pas de mytho, pas de hop on laisse tomber, non. Voilà. Bon on a pété un mug du coup. Du coup désolé Louis, tu n'auras pas ton mug. Non. Il est 17h13. Bang bang. Qui voilà, je bien trop en avance. Filme bien l'heure, filme bien l'heure. C'est une nouvelle semaine du lundi. Ce soir on n'a pas de guest. On va juger les viewers. Est-ce que vous avez été sages sur le chat? Ne vous inquiétez pas les amis, je suis là, vous connaissez, c'est un max de gens unban. C'est ma qualité d'avocat. On vous connaît, vous êtes pas méchant. Voilà, vous vous défoulez, etc. Donc moi je prends ça en compte. En même temps je te le dis, on n'est pas sur ma chaîne. Fou là. Oh, me dis pas que c'est maintenant. Ah tu veux qu'on le fasse maintenant là? Bah, je suis, on s'en fait un tout ça. Ah mais je suis en train de lire les goûts là, c'est une dinguerie. En fait tu tombes sur des goûts, enfin sur des couleurs de petits bonbons. Et en fait à chaque fois il y en a un bon et un mauvais. Par exemple celui-là, donc le bon c'est birthday cake, donc gâteau d'anniversaire. Et l'autre c'est dirty dishwater, donc de l'eau lave-vaisselle sale en gros. Viens en faire. Toi Yann, Yann il est en export en plus, il a dit qu'il avait le temps. Yann viens là. C'est le bleu, soit framboise banane smoothie, soit poisson mort. Dead fish putain. Pour Yann, poire juteuse. Soit ou crotte de nez. Sans juste l'odeur du papier. Mais... Oh la vache, oh la vie de ma mère, je peux pas manger ça gros. Ça pue les gars, ça pue. Ouais ça pue. 1, 2, 3. Ah yes. Sérieux? Yes, bah, à toi Alex avec Elise. Non. Ah, si. Non. Ah, si. Je tourne pour Elise. Beach ou Bart? Des abats ou pêche? Les abats, mais moi j'aime pas les abats. Bah oui. Attends, quoi? C'est quoi? Marshmallow ou sac qui pue? Elise elle a un bon, c'est sûr. Non. Crash. Non, tu dois mâcher, tu dois mâcher la cause. Elle est bon. Marshmallow. Mais attends, pourquoi il y en a un milliard des blancs? C'est quoi le blanc? Oh là là. T'as eu quoi? Oh le bébé chien. Oh il est tout bébé. Oh petit cœur. Du coup on n'a pas débrief. Je prends un bonbon blanc, je fais aussi c'est quoi blanc. Je goûte, je regarde, je vois œuf pourri, j'ai œuf pourri. Ah. Tout le monde est en mode oh le petit chien. Moi je suis parti au chiot, j'ai recraché ma merde. Vraiment je me suis taillé, je vais le cracher cette merde. Je me suis raclé la langue. Beaucoup de commentaires de modérateurs aussi sur les demandes. Pour expliquer parfois un peu les demandes, etc. Si c'est pas trop compréhensible. Pour les 75 premiers, ils sont vraiment ok à vérifier et tout. Et les 25 derniers jusqu'à 100, ils sont vérifiés, mais pas tous les messages comme les premiers. Quoi. Et les modérateurs peuvent pas se dire le premier mec qui dit nul ou pas bien joué ou oh mauvais, et ben instant parce qu'il faut pas que Gotha ne voit le message. Non, oh si Gotha voit le message. Non mais ferme-la. Vous n'êtes pas du bétail, on lit un peu, on clique parce qu'on se sent supérieur. Alors qu'on pourrait éviter, tu vois, regarde, tu veux, regarde, je te montre, donne la souris, je t'en clique 2-3 là. Vas-y. Lui regarde, hop, tu vois, on pourrait faire ça. Non. Oh, voilà. Wow, mais... Voilà. Non, attends. Là, abus de pouvoir. Voilà. Et là, abus de pouvoir. Tu vois ce que c'est un abus de pouvoir? J'espère que vous avez kiffé la soirée. J'espère que vous avez kiffé le tribunal si vous en voulez encore avec ce binôme là. Dites-le à Gotha, mais je pense que t'as raison. Je pense que c'est bien que t'en fasses au moins un ou deux solos. Lundi prochain, un gros open world avec deux piliers du stream game. Des bisous tout le monde. Merci encore de nous avoir suivis ce soir. 4 heures. Ça a duré vraiment longtemps, je me rendais pas compte. Voilà, première partie, j'ai trouvé ça long, mais après ça a commencé à tracer de fou. Parce que vous passez moins de temps sur les gens. Au début, c'était un peu long, parce que vous passez vraiment longtemps sur les mecs. Relative. Bon, comme je vous expliquais, jeudi férié, vendredi c'est le pont. Là, vous vous dites, mais pourquoi Steph, il a une Switch à la main? Parce que Coco, il lance son nouveau. Oh, la coupe de cheveux. Oula. La limite du ban, ça. Donc je disais, vous dites pourquoi Stéphane a une Switch dans la main? Parce que Coco il va lancer son nouveau concept. On sait pas encore comment ça va s'appeler, mais ça va peut-être s'appeler dans le sac à dos, moi j'aime bien. Et du coup son premier invité c'est Étoile. Et Étoile, il veut le faire jouer à Smash. Quand tu commences Smash, t'as que 8 persos sur 74. Et du coup il faut débloquer tous les persos. Donc j'ai passé ma journée d'hier à débloquer des persos Smash. Et là on est reparti aujourd'hui pour que Coco ait quasiment tous les persos disponibles. Donc voilà, ça prend du temps. Entre nous là, Alex il nous entend pas, il est gentil avec toi Alex, ça va? Ouais super. C'est un bon tuteur de stage. Ouais, franchement ouais. Ok, let's go. Il survit. Tu fais quoi là? Là je fais un récap parce que je dois préparer le projet YouTube des tournages. Les petits projets de fin de saison là, c'est ça? Pour que les chers viewers aient des vidéos pendant les vacances. Et en plus c'est toute l'équipe des vlogs qui sera dedans. Ouais. Élise, non le problème d'Élise c'est que je vais lui demander qu'est-ce que tu fais. Elle va me dire encore un contrat sur lequel elle peut pas parler et tout là. Non, je suis en train de gérer la livraison des plats de Corentin pour demain vu que c'est férié. Parce que Coco se fait livrer maintenant des petits repas un peu plus diète, c'est ça? Ouais c'est ça, bah pour éviter d'avoir la tentation. Parce que sur Uber Eats tu peux trouver des trucs ok en vrai. Le truc c'est que bah t'ouvres
et puis après c'est la boîte de Pandore quoi. T'as ouais. tout, McDo, Subway, tout, la totale. Donc puis comme ça il a pas à s'en soucier, il sait que s'il a faim il ouvre le frigo et il y a quelque chose quoi. Voilà, non Coco, mais t'es en train d'insinuer que quelqu'un a volé une Switch? Non, je suis juste en train de dire que potentiellement Coco a récupéré une Switch pour chez lui ou pour un voyage, j'en sais rien, et que du coup il l'a pas ramené. Non par contre, si tu me dis que ça fait deux jours que je fais du Smash toute la journée pour que Coco ait tous les persos débloqués chez lui, je me flingue là. Bah en vrai je pense qu'on a une Switch avec des persos débloqués. Maintenant cherche la Switch. Y a pas de Switch ici. Oh là là, je suis zingué de fou la team là, si j'ai fait tout ça pour rien. Regardez, j'en ai débloqué pas mal en vrai déjà. 30 secondes. Mais elle sort d'où cette Switch? Elle était là. En l'air, oh non, zéro vanne. En bas là. Bon la team. Oh là là, ça va vraiment pas cette histoire. Donc il n'y avait pas Smash Bros dans la deuxième Switch, donc je n'ai pas fait tout ça pour rien. On continue à rush le déblocage des persos pour Coco. Et voilà, Mademoiselle Camille, Mademoiselle Mélina. Non, alors c'est mort. Non, je l'ai cherché. Wow. Vous savez ce que c'est? Bah je l'ai vu dans ma main là derrière, il était posé sur mon bureau. Pourquoi t'as un truc qui date de 2010? Juste un 1v1 Shifumi, la perdante doit le faire, l'autre ne le fait pas. Non même, je ne jouerai pas. Bah fais-le avec Lélé. Pêche ou barf, c'est quoi déjà? Des abats. Je que ça soit là, je vais vomir. C'est pas celui avec les trucs rouges à l'intérieur. C'est ma gueule officielle. C'est pas celui-là. Oui, mange tes Oreos toi. Ah, eux périmés. Allez, vous le prenez en même temps dans la bouche, vas-y. Un. Manger cette saloperie? Oui. C'est bon, popcorn. C'est bon. Oh la chance. C'est trop. Oh, c'est mieux. T'as tout fini, Rick? Tutti frutti ou chaussettes qui puent? Oh, mais tu l'as mangé? Oh là, c'est pas bon. Ah, il boule, c'est dégueulasse. Mais vas-y, mais crache-le. Allez, pose pas de questions. Vas-y, fais tourner. C'est soit de la boue pour chien, soit du chocolat. Bah, c'est genre les marrons là. Vas-y, attends, je dois tirer. Ouais, ils sont là, c'est cool. Merde. C'est pas ouf, mais c'est pas trop dégueu non plus. C'est plutôt boue pour chien, alors c'est pas chocolat. Je croise les doigts. Allez, soit c'est pêche, soit c'est des abats. Non, c'est bon. C'est sucré? Ouais, c'est sucré. Bien joué, les gars. Là, vous êtes en train de me dire qu'il n'y a plus personne qui bosse et tout le monde est en train de bouffer des trucs dégueulasses. Il reste qui là? Personne, c'est bon, tout le monde a fait? Ouais, allez, je me casse. Il reste personne là. Ah là 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 là. Qui voit l'âge? Oh bah tu vois l'âge. Coucou. Comment est-ce? Ça va l'espagnol? Yeah, si. T'es pas espagnol, Ronan? Si, cabenuebe. Non mais tu sais que depuis que je suis rentré d'Espagne, je fais que parler espagnol. Trop relou. Oh, attends, y'a... Ouais. Alors déjà, vous lancez la roulette. Un verre. Ne mange pas de suite, hein. Mangez en même temps. Oh non, moi aussi. Toi aussi, vas-y, bah toi aussi. Alors. Obligation d'avaler le bonbon. Je sais pas pourquoi, je sens que celui-là est pas bon. Oh là là, crotte de nez. Oh, j'aime trop. Attends. 3, 2, 1, go. Non, c'est bon. Poire juteuse pas, en fait. Ou crotte de nez? C'est à quel goût? Je sais pas si c'est de la crotte de nez ou de la poire. Est-ce que c'est sucré? Non. Je mange pas de poire. Ah, parce que tu manges des crottes de nez. Il a pas dit ça en premier, il a dit la poire. Si, je pense que c'est bon. Moi, bon, ça a l'air pas bon. Dégueu. Ça a l'air bon. Vous en prenez un là au pif comme ça, vous le mangez? Ouais, Juju. Ouais, Juju. Popcorn. Oh, popcorn. Oh là, vas-y, c'est bon, c'est une craque. Mel, tu verras ce rush. En fait, t'étais pas prévu à la réunion de base et on t'a juste trappe pour que tu viennes dans cette réunion. T'as fini par venir, donc c'est génial, mais t'étais pas prévu. Et du coup, on a chopé Ron qui est trappe aussi. Du coup, ouais, c'est une réunion un petit peu confidentielle sur un des gros projets qui va sortir au mois de septembre. Attends, mais ils sont en train de faire semblant de bosser ou je rêve là? Mission Japon. Qu'est-ce qui t'arrive, Steph? Non, rien, mon ref, j'attendais que vous finissiez. Du coup, là, comme vous voyez, ça se passe comme ça là-dessus. Donc, sur le projet, sur le dossier numéro 3. C'est parce que là je vais revenir, j'ai pris du set et je me suis rendu compte. Imagine, je suis Kangro là. Donc on est dans toute la ville en mode ouais, faites attention, il y a des affiches, attention, Kangro là, très dangereux dans la ville. C'est moi, le Kangro là. Mais personne ne sait, tu vois. Imagine, je viens ici, je veux Kangro là. Je dois prendre que 3 choses uniquement dans mon sac. Tout rentre, n'importe quoi, peu importe la taille, mais je dois prendre que 3 choses. Je vous jure, dans les 3 choses, il y a le truc, je suis pas chou. Prends le truc qui vaut le plus cher. J'en ai rien à foutre. Le truc, je suis pas chou, ça tombe pas. Ronan, il est pas matérialiste. Oui, c'est quelqu'un qui vit l'instant en fait. T'es censé le surf là. Oui. Incroyable reprise. Wow. Il y a une action hein. Et c'est comme ça maintenant. C'est comme ça. Ouais, c'est comme le mec. Oh. Elle est trop forte. Elle est trop forte. T'es trop fort, gros! Yo les gars, on est à la finale de la Ligue des Champions, on a été invité par PlayStation. Coco il m'a invité avec lui parce que c'est le meilleur patron du monde. Merci Coco! Wow.
Je les ai tous paqués, eux. Champion. Philippe. Champion. Bon bah du coup on se retrouve lundi quoi. Yes. Qu'est-ce qui se passe ici là? Cheese. Ah il comprend bien. Voilà. Champion.